Good morning, allez Yiden, l'étude sera aujourd'hui Elio Nishmat, Rivka, Batsara, Rachel, Rachel, Batsara, Peggy, Bat Esther, Lisa, Lisa, Bat Frecha, Zara, Bat Mazak, Tom, Shish, Portish. Si vous souhaitez, vous aussi, dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous étudions Sanhedrin, Perek Gimel, Mishnah, Vav. Keitzad bodkim et ha'edim. Ayum machnissin otanu me'aymin aleyen, umotzin et kol ha'adam lachutz, umeshayrin et ha'gadol shebaen, v'omrim lo, emor, איך אתה יודע שזה חייב לזה? אם אמר, הוא אמר לי שאני חייב לו, איש פלוני אמר לי שהוא חייב לו, לא אמר כלום. עד שהיו אמר, בפנינו הודה לו שהוא חייב לו 200 זוז. ואחר כך מכניסים את השני ובודקים אותו. אם נמצאו דבריהם מכוונים, נוסעים ונותנים בדבר. שניים אומרים זכאי ואחד אומר חייב, זכאי. שניים אומרים חייב, ואחד אומר זכאי, חייב. אחד אומר זכאי, ואחד אומר חייב. ואפילו שניים מזכין או שניים מחייבים, ואחד אומר איני יודע, יוסיפו הדיינים. למשנה פוז לקסטיון, כיצד בודקים את העדים? כמו וריפיתון, אנליזתון, לברסיטה, דה תמואן. סוואר, כמו? Comment on reçoit, on récolte, je ne sais pas si ça se dit en français, récolter un témoignage. Ouais, je pense que ça se dit. L'ikvot et doute, en tout cas, en hébreu, ça se dit. Comment reçoit-on les témoins? Alors, la Mishnah nous enseigne. D'abord, Ayum Achnesin Otan. Les Dayanim étaient là. Les Baaledinim, les gens qui se. Les deux rivaux sont aussi devant nous. Il y a peut-être d'autres gens présents dans la salle. On dit aux témoins de s'avancer. On les faisait entrer. Et on commence d'abord, avant, à leur demander qu'est-ce qu'ils savent. Ou mais aymin alehen. On leur fait un ioum, on les effraye. On leur raconte que c'est une grave avéra de témoigner à tort. Et en plus de ça, comme on apprendra dans le Bartanora, on leur dit, vous savez, même ceux, un témoin qui reçoit de l'argent pour se faire. Tu reçois de l'argent pour venir faire apporter un faux témoignage, sachez que même celui qui le paye le méprise, comme on va le voir. Ça veut dire, en gros, tu vas être une crapule, et même celui qui t'a demandé, tu crois que tu vas lui trouver grâce à ses yeux, qui va te reconnaître comme quelqu'un de bien, sache que même lui, il va te voir comme un vaurien, comme une crapule. On est censé, donc, d'accord, on est censé le dissuader de témoigner ainsi. Au motzin et kol adam lachutz. Une fois qu'on les a bien avertis, on fait sortir tout le monde dehors. Motzin et kol adam lachutz, on fait sortir tout le monde dehors. On reste juste les juges et au meshayrin et agadol shebaen. Et on laisse le grand témoin. Puisqu'au minimum deux témoins, on fait sortir tout le monde, même le deuxième témoin. On laisse d'abord le plus responsable des deux témoins, celui qui a l'air le plus important. Vomrimlo, on lui dit Emor er ata yodea sheze chayav leze. Raconte-nous donc. Comment tu sais que Reuven doit de l'argent à l'autre? Donc, comment tu sais que Zechayav le Zeh? Qu'est-ce qui te fait dire que lui lui doit de l'argent? Imamar hu amar li shani chayav lo. Si le témoin nous dit, hein, comment je sais que Reuven il doit 10 000 shekels à l'autre? Parce que Reuven il m'a raconté ses misères, il m'a dit, oi, comment je vais faire pour lui rembourser la dette de 10 000 shekels? Et puis finalement, Shimon a commencé à lui réclamer l'argent, et Reuven a dit qu'il ne lui doit plus rien. Donc je sais pertinemment que Reuven lui doit 10 000 shekels, puisqu'il me l'a reconnu. Ou amar li shani chayav lo. C'est lui qui m'a dit qu'il lui doit. Ou encore, ishploni amar li shu chayav lo. Il va dire, c'est pas que j'ai entendu la bouche de Reuven, mais vous connaissez Rabbi Moshe? Rabbi Moshe, lui, le grand tzaddik de la ville. Il est venu, c'est lui qui m'a raconté. Il m'a dit, Reuven, il donne de l'argent, oh là là, je te raconte pas, mais moi, Rabbi Moshe, il m'a raconté qu'il a vu de ses propres yeux qu'il a prêté de l'argent, et qu'en ce moment, Reuven, il commence à esquiver et à lui mentir. Donc je sais. Comment je sais? Pas parce que j'ai vu de mes propres yeux, mais parce que quelqu'un me l'a raconté. Dans les deux cas, lo amar kelum. Il ne lui a rien, il lui aura rien dit. Ad sheyomar, jusqu'à qu'il dise, befanenu hodalo sheu chayav lo matem zuz. Devant nous, il lui a reconnu à Shimon qui lui doit les 200 zuz. Bien évidemment, s'ils ont vu la dette, tant mieux. Mais même s'ils n'ont pas vu la dette,
mais que Shimon a réclamé son argent à Réhouven et lui a dit c'est comme tu m'as mes 10 000. Et Réhouven a dit ça va, je vais te les rendre, c'est bien, tu sais bien. D'accord ? Donc là, Befanenu Hodalo, il lui a reconnu. Soit, pour que je puisse témoigner que Réhouven doit l'argent à Shimon, je dois nécessairement être, soit avoir vu l'action, soit même dans le dîner Mamonot spécialement, il suffit que Réhouven ait reconnu. Mais comment il reconnaît ? La Mishnah nous enseigne que s'il a uniquement dit que je lui dois 10 000 shekels, quand on était entre nous, il m'a raconté ses misères, il m'a fait des confidences, il m'a confié qu'il est en ce moment en grande galère parce que Shimon ne fait que lui courir après pour qu'il lui paye les 10 000 shekels, et bien ça ne suffit pas. Pour quelle raison ? En réalité, les gens riches, c'est ceux qui le cachent le mieux, bien évidemment, et ils font semblant qu'ils n'ont jamais un sou dans la poche, qu'ils sont criblés de dettes de partout. Et donc en fait, il est possible qu'en réalité, il m'a raconté, certes, quand on était dans un petit moment d'intimité, il m'a raconté ses misères, qu'il devait 10 000 shekels et qu'il ne savait pas d'où les payer. Mais peut-être que c'était un mytho, tout simplement. Il était en train de me raconter ses misères parce qu'il savait que moi, 5 minutes éternelles, difficulté d'argent, tac, il a eu peur qu'en intimité, je commence à lui parler de mes misères et que je vais lui réclamer de l'argent pour entretenir le site, pour entretenir les livres. Et il a commencé, lui, il a pris les devants, il a commencé à me raconter qu'il est en grande galère en ce moment, qu'il n'arrive pas à s'en sortir, qu'il doit déjà de la dette à 10 000. Mais ça n'a pas de sens, ça n'a pas malgré tout, ça n'a aucune valeur. Idem, à plus forte raison, lorsque c'est une autre personne qui m'a raconté qu'il lui doit, là c'est un autre psoul qui s'appelle Ed Mipi Ed Pasoul. Un témoin qui témoigne parce qu'il sait d'un autre témoin, ça ne marche pas. Il faut Ora'a Oyada, la Torah l'a dit. Soit il a vu l'action, Oyada, ou bien qu'il le sait parce qu'il l'a reconnu. Mais que Ed Mipi Ed, un témoin qui me raconte que c'est sûr, même si c'est la personne la plus crédible au monde, malgré tout, je n'ai pas vu de mes propres yeux, je ne suis pas un bon témoin. Donc, Adche Yomar Befanenu Hodalo, devant nous, il lui a reconnu, pas qu'il a reconnu uniquement, mais qu'il lui a reconnu. Quand l'autre il est venu le réclamer, il lui a dit, tu vas me rendre mon argent? Et l'autre il a dit, oui, ne t'inquiète pas, je vais te les rendre. D'accord? On a fini la première partie de la Mishnah pour récolter le premier témoignage donc, du premier témoin. Ensuite, Vacharkar, Marnissi Natacheni, Ubotkinoto. Ensuite, on fait entrer le deuxième témoin. Et on lui demande de lui répéter les faits, de répéter les faits que lui sait. On apprendra plus tard quel type de questions on devra poser pour les dîners mamonot, dîners nefashot, comment ça se passe. En tout cas, on vérifie ensuite, on l'écoute, qu'est-ce qu'il dit, on fait attention, est-ce qu'il y a les mêmes propos ou non, les mêmes conditions. Donc on aura Im nimtseu divrei mechuvanin. S'il s'avère que les paroles des deux vont dans le même sens, alors dans ce cas-là, Nos in venotnin badavar, les juges commencent à débattre. Est-ce que oui ou est-ce que non? Quelles sont les preuves à l'appui? Est-ce que l'on peut sonder? Bien évidemment, il y a une précision qui n'est pas dite ici, mais qu'on pourra la déduire de la prochaine Mishnah, que lorsqu'on va commencer à débattre, on fait sortir leur dernier témoin. On apprendra qu'on va débattre à huis clos, personne à l'intérieur. Aucun débat à l'édinim, ni les rivaux, ni les témoins, ni même des étrangers. C'est un top secret. Les trois juges se concertent entre eux et ensuite ils délibèrent. On apprendra ensuite comment ils devront prononcer ensuite le verdict dans la prochaine Mishnah. D'accord ? Donc, Im nimtzu divrei mechuvanim, si les paroles s'avèrent justes, correspondantes l'un l'autre, alors nos in venotnin badavar. On va commencer à pour parler et débattre. Ensuite, une fois qu'on a chacun avancé son avis, il a rapporté ses sources du Shulchan Aruch, du Char, du Sma, du Ksot, du Netivot, de Rabbi Akiva Eiger, de tous les poskim possibles, Char Amishpat. Et une fois que chacun a avancé, a débattu, maintenant, bien sûr, chaque Rav, Talmid Chacham, est en droit de trancher à sa manière. Donc chacun va se prononcer sur la question. Et alors là, comment ça se passe ? Shnaim omrim chayav ve'echad omer zakai. J'ai sauté, excusez-moi. Shnaim omrim zakai ve'echad omer chayav. Si deux personnes l'acquittent, et deux rabbanim l'acquittent, deux dayanim l'acquittent, ve'echad omer chayav, et l'un le culpabilise, donc, on va aller selon la voix de la majorité, zakai, il sera acquitté. Deux contre un, la majorité est pour le deux qui le dispense de payer, donc il sera dispensé de payer. Shnaim omrim chayav ve'echad omer zakai, chayav. Si c'est le contraire, c'est deux qui le culpabilisent, qui l'inculpent. Ve'echad omer zakai, et un qui dit non, il est quitte, il n'a aucune raison de payer. La voix de la majorité l'emporte de nouveau et on le condamnera.
Maintenant, situation spéciale. Echad omer zakai, echad omer chayav, ve'afilu shnayim mezakin, o shnayim mechayvin, ve'echad omer eni yodea. Soit un des trois juges ne sait pas se prononcer. Il est là, ça fait 10 minutes qu'il s'est arraché tous les poils de la barbe tellement qu'il se met du souci. Aïe, 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 oui, non. Il ne sait pas se prononcer. Et maintenant, donc, il y a les deux autres juges de trois possibilités, ça reviendra au même. Soit que chaque un dit Chayav et l'autre dit Zakai, quitte et l'autre condamne. Soit que les deux condamnent, soit que les deux dispensent. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il y a le troisième juge qui ne sait pas se prononcer. Qu'est-ce qu'on fait? Vous allez me dire, ben quoi? S'il y a deux qui condamnent et un qui dit Patour, on va quand même le condamner parce qu'on va laisser le nom de la majorité. Lorsque deux disent qu'on va le condamner et un va dire qu'il ne sait même pas se prononcer, il n'est même pas capable de le dispenser, de l'acquitter. Et même ça, il n'est pas sûr qu'il faut l'acquitter. Alors, à plus forte raison, vous pourriez me dire, à plus forte raison qu'on va le condamner puisqu'il y en a deux qui condamnent ou qui le dispensent, qui l'acquittent. Eh ben non, ça ne se passe pas comme ça. La Mishnah nous enseigne Yosifu Adayanim. Il faudra ajouter deux autres témoins. Soit on va amener deux autres témoins, deux autres juges, deux autres Dayanim, deux autres juges. On va donc, ils étaient trois juges pour le moment, on va aller chercher deux autres Rabbanim, deux autres juges, et ils vont s'asseoir à cinq, ils vont répéter les témoignages, les Tzadim, d'accord, les éventualités, les conditions, les hypothèses. Et ensuite, les deux autres rabbinim supplémentaires vont se prononcer. Et alors là, qu'est-ce qu'on fera? Là, il y a un long... Tosafot Yom Tov qui va expliquer concisément, ça se passe comme ça. Tout d'abord, pourquoi faut-il rajouter des témoins? C'est une question essentielle. On a dit, je ne comprends pas. Quand deux condamnent et un dispense, on condamne. Quand deux condamnent et un stait, c'est pas plus forte raison qu'on devrait condamner. Réponse, non. Un tribunal, un bet din, c'est trois juges qui doivent se prononcer. Et s'ils ne se prononcent pas, ça signifie qu'il y en a un qui a arrêté d'être juge. On se retrouve qu'avec deux juges, ça ne marche pas. Un tribunal, il faut trois juges. Puisqu'il faut trois juges, quelqu'un qui ne se prononce pas, c'est pas un bon. Ça s'appelle qu'on n'a pas un bet din qui va trancher. D'accord? Donc il va falloir ajouter... Alors en théorie, on pourrait ajouter un seul juge. Selon le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de faire un bet din qui a un nombre pair, pour ne pas se retrouver dans une situation de 2 contre 2. Alors qu'est-ce qu'on fera? On en rajoutera deux supplémentaires. Alors quand on en rajoute deux supplémentaires, il y a plusieurs cas de figure. Le cas le plus simple d'abord, supposons que notre ami, le Rav, qui ne voulait pas se prononcer, ne se prononce toujours pas. On va se retrouver avec trois qui condamnent et un qui dispense. Alors là, de nouveau, puisqu'on aura trois qui condamnent, c'est bon, on pourra trancher le jugement d'après ces trois. Il y a un long de ce qu'on qui explique que c'est pas évident. Dans le Rambam, il y a une petite contradiction entre le Rambam dans le Pirush HaMishnayot et le Rambam dans le livre du Rambam, du Yad HaChazaka. D'accord? Mais en tout cas, il rapporte ici selon le Rambam dans le Rambam, le Yad HaChazaka, que le Rambam écrit là-bas qu'à partir du moment où on aura trois juges qui condamneront ou qui dispenseront, alors c'est bon, on pourra maintenant se fonder, puisqu'on a à présent trois juges qui tranchent, ça suffira et on condamnera ou on acquittera. D'accord? Et si bien sûr les juges, on aura deux contre deux et un qui ne sait pas, ben on ajoutera deux juges supplémentaires, et comme ça on finira par atteindre les 23 juges. Il y aura bien un moment où ça va se démarquer, on espère. D'accord? Et c'est tout pour la Mishnah. On fait à présent le Barthénora. On met Aïmin Aleyen, on les menace, on les effraye. Modiim Otam, on leur fait savoir, Shasochrin et Deshaker, que ceux qui payent sous doigt des faux témoins, vous croyez qu'au moins vous allez trouver grâce aux yeux de ces mauvaises personnes qui vous ont embauché? Sachez que même eux, ils sont là devant vous, ils vous font des petits coups d'œil, des petits clins d'œil comme si vous êtes leurs amis. Sachez que même eux vous considèrent comme des crapules et des vauriens. Eux-mêmes qui vous ont embauché vous méprisent. Et eux-mêmes, alors que c'est eux les plus grandes crapules, eux-mêmes ils vous disent que c'est vous les mauvais, les impies, les ingrés, les mauvaises personnes. Dirtiv, comme le pasuk nous rapporte, Benavot, c'était une histoire avec Navot à Israéli, une histoire qui est racontée dans le livre de Menachim avec la fameuse crapule, Isabel, la femme de Achav qui voulait là-bas recevoir, il convoitait un beau jardin d'un voisin.
de Navot à Israéli. Et alors elle lui a conseillé Isabelle, elle lui a dit, bah, tu sais quoi, t'as qu'à te louer des faux témoins et dire que ce voisin-là de Navot à Israéli, qu'il a blasphémé, et tu vas le condamner à mort, et comme ça après tu récupères, et une halakha que tu récupères ensuite, tous ses biens, aucun problème. Et de quelle manière elle s'est prononcée Isabelle? Elle a dit comme ça, « Veoshivushna nashim bnei bliyaal » Va donc chercher deux personnes, deux crapules, des bnei bliyaal. Le mot bliyaal, c'est un mot composé de bliol, quelqu'un qui n'a aucun joug, il n'y a rien qui l'effraye. Une crapule, par définition, qui est capable de faire tous les coups. Negdo, donc bnei bliyaal negdo, pour que deux témoins vont témoigner contre lui. Deux mauvais témoins vont témoigner contre lui. Chez Yoatsa Melech, Hayo Yoatsin, le Sochran, Korin Laen, bnei bliyaal. Que le Barthénois nous explique. Regarde que les conseillers du roi, qui étaient en réalité Isabelle, comme le dit le Tosot Yom Tov, conseillent au roi d'aller les chercher. Et de quelle manière il les appelle? Va donc te chercher de pigeons, de crétins, de... Ouais, regardez avec quel niveau de mépris ils vous regardent. Alors ne le faites surtout pas, c'est ce qu'on dit aux témoins. Who Amarli? Donc si le témoin disait, ah, c'est lui qui m'a dit, Alove Amarli, l'emprunteur m'a confié, Lo Amarklum, ça ne sert à rien, pourquoi? C'est pas une vraie reconnaissance. David et Nijdamar Plonino Shebi, que des chevaliers se couvrent à Shir. Ça arrive qu'une personne dit que je dois 10 000, 100 000 à un tel et un tel, alors qu'en réalité je lui dois rien, de manière à ce que chez l'Oyarziku Achir, qui ne me prennent pas pour un riche, qui ne viennent pas me voir chaque fois qu'ils ont des bonnes causes humanitaires pour défendre les lapins de l'Ouganda, donc j'ai des dettes, laissez-moi tranquille. Hodalo. Alors par contre, s'il dit Befanenu Hodalo, il lui a reconnu devant nous, Shayushnem Befanenu Olodot le Nitkaven le Yotlo Edim Madavar, que les deux ils étaient là, et il lui a réclamé avec sérieusement, et l'autre a reconnu sérieusement. Alors dans ce cas-là, c'est mon témoignage. Ensuite, le Barthénois nous apporte à la fin de la Mishnah, où il y avait on n'arrivait pas à délibérer le verdict. Même s'il y en a un qui dit qu'il ne sait pas, Yosifu Adayanim, il faudra ajouter des témoins. Alors le Barthénois se lève la question. Bien que si, quel que soit le verdict que ce juge allait prononcer pour condamner ou pour dispenser, pour acquitter, de toute façon le verdict il aurait été tranché selon la majorité, que les deux sont d'accord. Alors que ça peut faire qu'il ne sache pas, malgré tout, qui a marré Yoda lorsqu'il a dit qu'il ne sait pas, avec et moi chez Loïa Shabedin, on considère que c'est comme si qu'il ne s'était même pas assis au Bet Din, et donc, Nimsa Adin Mishnaim, il s'avère que le jugement a été fait par deux juges, et on a besoin de trois juges, Vanan Shalosh Bainan, et on a besoin de trois témoins, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov Selah.